Je veux être à toi. Et je veux que tu sois à moi. Ignacio, je... Je t'aime. Je t'aime, Margarita. Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Désolé. Margarita? Margarita, mais qu'est-ce que tu as? Ne m'approchez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Margarita, qu'y a-t-il? S'il vous plaît. Margarita, dis-moi, s'il te plaît. Il faut que je sache qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que j'ai fait de mal. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je vous en prie. Je ne peux pas parler de ces choses. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne sais pas pourquoi ça m'arrive. Margarita, je t'aime. Je viens de te dire que je t'aime. Et c'est parce que je t'aime que je veux faire l'amour. Ne le dites pas, monsieur. Je vous en prie, ne le dites pas. Ne le dites pas, s'il vous plaît. Ne le dites pas. Ne le dites pas. Francisco est toujours malade. Ignacio devrait être ici. Ignacio est à un congrès médical ou à un symposium, ou quelque chose dans le genre. Et tu l'as cru? Pourquoi pas? Tu sais que la domestique n'est pas là. Que précisément ton fiancé lui a donné un congé. Tu veux que je te donne une idée de l'endroit où ils doivent être tous les deux? Où tu peux te l'imaginer toi-même? Tu veux dire que cette traînée et mon fiancé sont ensemble, hein? Je parierais que non seulement ils sont ensemble, mais qu'en plus ils sont aussi dans le même lit. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'il revienne ici. Son téléphone est éteint, c'est bien ça. J'imagine que tu tombes tout de suite sur le répondeur. Je ne me trompe pas. Chantal. Tu as un si beau visage, Chantal. Mais il est dommage que tu portes des cornes. Un congrès. Il a dit à sa fiancée qu'il est allé à un congrès et sa fiancée l'a cru. Vous essayez d'insinuer que le docteur est un menteur? Je n'essaie pas du tout de l'insinuer. Au contraire, je l'affirme haut et fort. Vous voulez que je vous dise tout? Eh bien, j'en suis très content. La fille de la sorcière ne me plaît pas du tout. Le docteur mérite une fiancée... beaucoup plus... plus... fiancé. Oh, et enfin bon, David, le docteur est un homme et tous les hommes se laissent emporter par ce qu'ils voient. Moi, je me laisse emporter par ce que je ressens. Eh bien, pour vous. Ah, non, non. Ne vous jetez pas dans la piscine, il n'y a pas d'eau pour nager. Mais pour en revenir au docteur, vous pensez réellement qu'Ignacio pourrait tromper sa fiancée? Oui, je le pense. Et je crois savoir avec qui. Avec qui? Ça ne vous paraît pas bizarre que Margarita ait changé un jour de congé? Le docteur le lui a donné. Allons, je vous en prie, ne pensez plus à ça, David. Tout colle parfaitement. Voyez le nouveau numéro de téléphone. Mais de quel numéro parlez-vous? En fait, le docteur a un nouveau numéro de téléphone et il me l'a laissé seulement à moi au cas où il ait une urgence. Je veux ce numéro tout de suite. Qu'est-ce que vous attendez? J'exige ce numéro, David. Je n'ai aucun numéro. Ah, David, David. Ne soyez pas si stupide. Risqueriez-vous de perdre votre travail et tout ça pour une bêtise? Est-ce que ça va mieux? Margarita... pardon. Je ne voulais pas te faire de mal. Ce qu'il y a, c'est que... bon, je sens... S'il vous plaît, ne me parlez pas encore de vos envies. Très bien. D'accord. On va plutôt faire comme ça. Moi, je ne parle pas de ça. Mais... j'aimerais que tu me tutoies à nouveau. Sans problème. Dis-moi quelque chose. Quoi? Eh bien, dis-moi que... dis-moi que tu vas me tutoyer. Je vais te tutoyer. Ça, c'est beaucoup mieux.
pardon de te demander ça, mais... Je ne sais pas... Il t'est arrivé une fois quelque chose avec... un homme que... Mais pourquoi ça, Ignacio? Eh bien, parce que... Parce que tout allait bien. Et puis tout d'un coup, tu as réagi comme si un fantôme venait de surgir. Tu m'as repoussé avec tant de force que... On aurait dit que j'allais... Abuser de moi? Je ne sais pas si c'est exactement ça, mais... C'était exactement ça. Margarita... Je n'allais pas... Je sais. C'est quelque chose que je n'ai pas pu empêcher. Moi, jamais... Bon. C'est qu'une fois... On a abusé de toi? Je ne veux pas en parler. Margarita, je suis docteur. Je soigne les gens. Et je sais qu'il faut beaucoup plus de temps pour que les blessures finissent par guérir. Je ne suis pas psychologue, mais j'imagine bien que les blessures de l'âme aussi ont besoin de temps pour pouvoir guérir. Je n'en reviens pas. C'est la lune de miel la plus courte que j'ai vue de toute ma vie. Oui, on l'a laissée pour plus tard. Vous savez, j'ai beaucoup, beaucoup de travail en retard à l'hôpital. Et je vous ai dit que nous allions devoir utiliser la chambre que vous me louez pour une courte période. Ramiro a trouvé un appartement très joli. Il reste seulement à réparer un mur et à repeindre. Vous pourrez rester ici tout le temps que vous voudrez. Nous vous remercions beaucoup, madame. Mais comme disait ma chère mère, chacun chez soi et un toit pour tous. Bon, cette fois-ci, je m'en vais. Si, mon amour, la vie est comme ça, accepte-le. Au revoir. Au revoir. Et encore merci. Moi, je ferais mieux d'aller ranger les vêtements qui sont encore dans la chambre. Annonciation, je veux te parler de quelque chose d'important. Oui, madame Evangelina, dites-moi. C'est à propos de Rosita et du bébé qu'elle attend. Ne me dites pas que quelque chose de mal lui est arrivé à cette pauvre petite. Non, non, Rosita va très bien. Oh, Dieu merci, je suis rassurée. Je suis rassurée. C'est moi qui ne vais pas bien. Rosita m'a raconté que tu vas adopter son bébé. Non, ce n'est pas tout à fait ce que vous avez l'air de dire, madame. J'ai parlé avec Rosita et elle était en train de penser à des idées noires, à des sottises. Donc, je lui ai dit que... Que toi, alors, tu aimerais garder son bébé. Bon, mais si elle était disposée à le donner en adoption, alors c'est que moi, je serais enchantée de l'élever. Seulement, si elle était disposée... Rosita aura son bébé. Et c'est nous, nous qui l'aiderons à l'élever. C'est bien, madame Evangelina. Ça me paraît très bien. Je n'ai jamais pensé à rien de mal. Donc, s'il vous plaît, ne pensez pas de mal de moi. Salut, mon amour. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu n'es pas contente de me voir? Avant, ça te plaisait. Alors comme ça, on n'est plus ensemble? Non, on n'est plus ensemble. Et qui est-ce qui a dit ça? Ça, c'est Rosita qui vient de le dire. Et si je l'ai entendu? Toi aussi, tu devrais l'avoir entendu, je crois. Tu es devenu sourd? Je suis en train de parler avec ma petite D'après amie. D'après ce que j'ai entendu, si tu as une petite amie, eh bien, elle n'est pas ici. Donc, je veux que tu laisses tranquille Rosita. Toi et moi, on doit parler. Est-ce que tu veux parler avec ce type, Rosita? Non, je ne veux pas. Alors, là, tu l'as entendu? Rosita ne veut pas parler avec toi, donc je te demande de façon aimable de partir. Où tu veux que je t'accompagne? Merci, Vicente. Ce type est très dangereux, Rosita. Fais attention. Le numéro, David. Je ne sais pas de quel numéro vous me parlez. Je veux le numéro de téléphone du fiancé de ma fille. Je vous ai entendu parler de ce numéro, David. Je le veux. Mais si je vous le donne, le docteur va me renvoyer. Oui, mais si vous ne me le donnez pas, je vous renvoie immédiatement.
C'est un numéro destiné seulement aux urgences. Et ça, c'est une urgence. Car vous êtes sur le point d'être licencié, mon cher. Non. Je n'imagine jamais comment va être ma vie. Je suis sûre d'une chose seulement. C'est que mon fils... Ça, c'est une contradiction. Tu dis que tu n'imagines pas comment va être ta vie et... tu es en train de parler des enfants que tu vas avoir. Oui, bien sûr. C'est une contradiction. Et toi, comment penses-tu que sera ta vie? Comment tu te l'imagines? Moi? Moi aussi, je m'imagine avec des enfants. Et avec la femme que j'aime à mes côtés. Il y a une fiancée qui imagine la vie avec toi. Et elle attend un enfant de toi. Margarita, tu sais, mon fils ne manquera jamais de rien. Je te le jure. Les enfants veulent toujours que leurs parents soient ensemble. Mon fils recevra tout l'amour qu'il peut espérer. Oui, tout l'amour de son papa. Mais je ne suis pas amoureux de sa maman. Il est clair que j'aime une autre femme. Oui, Frijolito, ce restaurant vous appartient. Il est à toi et à Tonito. Ouais. Mais malheureusement, les choses ne marchent pas si bien que ça. Il n'y a pas de bénéfice. En fait, c'est parce que je veux aider ma maman et parce que quand je travaille en nettoyant les vitres des voitures, je ne gagne pas grand-chose. Eh bien, moi, je vais te dire autre chose. Quand il y aura des bénéfices dans ce restaurant, et il y en aura, tout cela va servir pour que vous fassiez des études quand vous serez grand. Je vais déposer moi-même l'argent à la banque. Ah. Oui, mais en attendant, il va falloir trouver ailleurs un autre boulot qui sera mieux payé. Et où est-ce qu'on va bien pouvoir trouver un boulot qui nous rapporte plus d'argent, hein? Ça, je ne sais pas. Il va falloir qu'on réfléchisse. Moi, ça me donne très faim de penser. Ah oui, je sais! On n'a qu'à chanter! Et tu crois qu'en chantant, on va penser mieux? Mais non, espèce d'idiot, ça ne va pas nous aider à penser. Ah oui, je sais. Chanter va nous faire passer l'envie de manger. Mais pas du tout, Tonio. En fait, si on chante, on pourra gagner plus d'argent. Mais voyons, le Frijol n'a pas besoin d'avoir deux chanteurs de plus. Mais c'est que nous deux, on ne va pas chanter ici. Et où est-ce qu'on va aller chanter alors, hein? Et qu'en dis-tu? Ça te plaît? Quoi donc? Comment quoi donc? Ce dont nous sommes en train de parler, comment j'imagine ma vie? Oui, c'est bien. Bien? C'est tout, rien de plus. Il s'agit aussi de ta vie. Il s'agit de ma vie? Margarita, la femme dont je viens de te parler, c'est toi. Et les enfants que j'imaginais sont les enfants que nous allons avoir tous les deux. J'espérais que ça t'enthousiasme un peu plus. Si, si. Ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Est-ce que tu t'imagines avec moi toute ta vie? Je crois que oui. Oui. Être ensemble, voir grandir notre fils. Tu as dit encore une fois notre fils. Pourquoi notre fils? Pourquoi? Tu ne penses quand même pas que nous n'en aurons qu'un seul? Bon, eh bien, pour le moment, oui. Appelez-le. Un homme... ne doit jamais trahir la confiance de son patron. David, je veux que vous l'appeliez maintenant. Mais... Ça suffit, David. Un fils? Mais non, un fils, moi ça me suffit pas, j'en veux au moins deux. Quoi? Tu ris comme si j'étais en train de te raconter une blague. Non, non, j'écoutais simplement. Vraiment, tu imagines comment tu vas être en tant que papa? Ouais. En plus, dernièrement, je me suis entraîné. Je me suis entraîné avec Frijolito, bien sûr.
Mais comment ? Oui, je suis son papa. Bon, un papa adoptif, un papa imaginaire, mais un papa quand même. Préparez tout de suite votre valise et partez de cette maison. Non, non, c'est bon, attendez, je vais composer le numéro. C'est un téléphone pour les urgences, qu'est-ce que je vais lui raconter ? Eh bien que son frère est très malade. Très malade. J'ai dit à David de l'utiliser en cas de grosse urgence. Qu'est-ce qu'il y a, David ? Allô, excusez-moi de vous déranger, docteur. Mais votre frère, il n'est pas bien. Quoi, qu'est-ce qu'il a ? Je ne suis pas médecin. Vous devriez venir. Votre belle-mère est juste à côté du téléphone. Ignacio, votre frère se sent très mal. Nous avons besoin de vous ici. Je suis très inquiète. J'arrive tout de suite. Ton fiancé est en route pour rentrer. Mais avant, tu vas t'assurer d'une chose. De quoi ? Va confirmer le soupçon. Je ne comprends pas. Tu connais la maison de la domestique, n'est-ce pas ? Parce que tu es allée là-bas. Oui. Une fois, j'y suis allée avec Francisco. Très bien. Je veux que tu y ailles et que tu restes à surveiller quand ton fiancé déposera la domestique chez elle. Mais si tu le vois, ne l'affronte pas et ne lui dis rien. Et surtout, ne te laisse pas voir. Madame Evangelina a pensé que je voulais te convaincre de me donner ton enfant. Je lui ai raconté que... Peu importe ce que tu lui as raconté, tu as mal compris. De toute manière, je suis contente que tu aies décidé de garder ton enfant. J'ai vraiment très peur. Je suppose que c'est normal d'avoir peur. J'avais envie de faire tellement de choses. Et maintenant ? Et maintenant, quoi ? Maintenant, tu dois continuer à penser à faire beaucoup de choses. J'imagine que d'élever un enfant demande un très grand effort. Dites-moi, est-ce que vous pensez que je serai une bonne mère ? Rosita, je n'en ai pas le moindre doute. En plus, tu es entourée de gens qui t'aiment et qui vont t'aider à être la meilleure mère du monde. En plus, je serai là, avec toi, à tes côtés, et si tu as besoin de quelque chose. Donc, ton fiancé est sorti avec Margarita. Tu comprends ce que ça signifie ? Si cette maudite domestique arrive à empêcher le mariage, je la tue ! Ne t'inquiète pas, il se passera rien du tout. Ton mariage, ce sera la meilleure affaire de ma vie. Et moi, personne ne me fait rater une affaire. La situation est grave. Justement, c'est pour cette raison qu'il faut prendre des mesures drastiques. Et rapides. Ah non, n'essayez pas de vous lever. Votre frère a dit repos absolu, Francisco. Ne désobéissez pas. Écoutez, je ne suis pas désobéissant, Lucrezia. Je voudrais seulement descendre 2 minutes. Pas même une seule seconde. Vous êtes incroyable. Corinna était comme vous. Elle me dominait toujours. Elle arrivait à ses fins par tous les moyens, je vous le dis. Mais je ne vous domine pas. Bien sûr que si, Lucrezia. Pas en tout. Mais enfin, pour certaines choses. Ne vous inquiétez pas. J'aime que ce soit comme ça. Vous voyez, je ne vous domine pas tant. Après tout, vous vous êtes redressé. Il faut bien que j'y arrive. Il faut que j'aille aux toilettes. Ah, eh bien, allez-y, voyons. Je vous laisse. Je ne veux pas vous gêner. Compadrito, ¿quién nos viera, compadrito, conformarnos con comer? En la panza no tenemos casi nada desde ayer. Pues salud por nuestros sueños de suadero y las botanas por las tortas y taquitos de bistec. No me importa si he comido sin el lano, si hace frío, si de amigo. Merci, merci, merci.
Tu as dit que les gens allaient nous mettre de l'argent dans le chapeau, non? S'ils n'en mettent pas, ça veut dire qu'ils n'aiment pas ce qu'on chante. Mais on chante bien. Mais oui, on chante quand même bien. Mais ça n'a pas l'air de leur plaire. Et peut-être qu'ils savent pas qu'ils doivent mettre de l'argent dans le chapeau. Oui, c'est ça. Moi, je savais pas. Alors ils ne le savaient pas non plus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas. Voyons, on devrait encore réfléchir. Ça va me donner faim. Dans ce cas, je vais réfléchir tout seul. Ça ne te donne pas faim de réfléchir à toi? Non. Monsieur Pedro, il faut que cette fois vous ayez du courage. Vicente a raison, monsieur Pedro. Si vous continuez à attendre, il ne va plus être temps pour madame Evangelina d'être une mariée. Tu sais, madame Evangelina est une femme encore très jeune, très très jeune. Je te l'ai dit, mon vieux. Non, monsieur Pedro dit toujours que madame Evangelina est jeune. Et? C'est ça, l'amour. L'amour fait que une femme âgée peut paraître beaucoup plus jeune, qu'une femme laide, quant à elle, peut paraître en vérité charmante, qu'une femme grosse peut paraître maigre, tu vois. L'amour transforme l'homme. Mis à part d'être aveugle, il le transforme en imparfait imbécile. Vous me traitez d'imbécile? Non, monsieur Pedro, que le diable m'emporte. Tu lui as dit, toi? Non. Vicente, accorde plus de respect à monsieur Pedro, il est plus âgé que toi. Vous voyez, la jeunesse est destinée à perdre définitivement. Je suis vraiment désolé que nous ayons été obligés de rentrer si rapidement. Ça ne fait rien. Moi, ça m'aurait plu de rester plus longtemps avec toi. Mais bon. Demain, on parle de ce qu'on va faire. De ce qu'on va faire? Oui. Oui, toi et moi, on va parler de nous. Il faut que j'aie une conversation avec Chantal. Je vais annuler le mariage. Non. Je ne veux faire souffrir personne. Elle attend un bébé, elle est enceinte. Sois tranquille, tu ne vas faire souffrir personne. Rassure-toi. Je te vois demain. Dis donc, ça c'est beaucoup plus grave que je ne pensais, dis-moi.